Eh ben salut Marie, salut les amis, allez, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur la Checkmap by Nono. Et dans une semaine, un peu plus d'une semaine, il y aura la Check Valley de Koufi aussi. donc aujourd'hui, programme, donc ça va être maïs. Maïs mais en grain. On va moissonner du grain. On va moissonner du grain. On va moissonner du maïs, pardon. Excusez-moi, bonjour. Donc, allez, on va tout de suite. Donc, là, je suis dans mon classe. Ah oui, il faut que j'emmène au champ. Allez, c'est parti. Oh merde, c'est vrai. Ça, c'est le bordel, toi aussi. Ça, c'est le bordel. Mais arrête-toi. Oh, bah, il s'arrêtera pas contre quelque chose. Clic. 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 Et clic. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Ah, mais j'ai pas de poids, moi. J'ai mis un poids là. Merde, oh, mais pourquoi je tourne là? La route est de l'autre côté. Oh là, ça commence déjà bien. Donc on va parler de deux ou trois petites choses aujourd'hui. Donc pour commencer, bah, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé là, sur mes pages Facebook donc la nouvelle mise à jour. Bon, il n'y a pas eu grand chose apparemment, c'est surtout pour le bois et pour Mac apparemment. Je vous ai aussi partagé un petit trailer de Eurotruck. Alors je sais pas quoi en penser de ce trailer là. Il y a aussi un gameplay en bêta qui a été fait. J'ai envie de dire c'est de l'ETS2 en version américaine quoi. Ils ont enlevé les camions européens, ils ont mis. Et apparemment j'ai vu. Apparemment il y aurait deux ou trois marques de camions, Kenworth, Peterbilt, ça c'est sûr. Putain, ça serait con qu'il n'y ait pas du Freightliner ou du Mack. Pourquoi je monte là-dedans? Je ne sais pas. Ah oui, mais je suis plein. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh la boulette, il est plein, il est plein. Ah ouais, il est plein, plein, plein. Donc il faut tracteur, tracteur. Ah bah tiens, on a celui-là avec le roller speed. Pourquoi j'ai ces ridelles là? Mettre ces ridelles normalement. Allez, hop, boum, boum, boum. Oula, 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 il y a un fossé là. Mais il fait une connerie, mon. Ah putain, bah oui, bien sûr, les arbustes, hein, tu passes pas à te réveiller. Il n'y en a qu'un pour te faire chier. Voilà. Oh, je suis pas passé dans la culture. Oh, vous avez vu, il a pas roulé dans la culture. Ouais, donc voilà, je vous ai partagé donc la mise à jour. Oui, partagé un trailer et puis un gameplay d'un. Je sais pas, ça doit être un tchèque ou je sais pas, un anglais, j'en sais rien. Qui a fait un petit. Petit gameplay de American Truck B version bêta. Moi, ouais, j'ai presque envie de dire c'est un ETS2. Ouais, j'ai dit à l'instant un ETS2 en version voilà, américaine. Quoi, ouais. Et apparemment, ils ont pas révolutionné grand-chose dessus. On verra bien. Hein, faut qu'on l'ait en main hein, bientôt. Hein. Normalement, si tout va bien, le 3 février. Normalement, hein, si c'est ça, donc si je me trompe pas, c'est la touche N. Ouais, j'ai gagné, Maurice. Donc, ouais, donc aujourd'hui, ça va être du maïs. Hein. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent du maïs en grain. Un grain. Un grain. Putain, oh, il y a. Oh là là. Il y a le Maurice là-bas, il est en train d'en secouer une dans le tracteur, dis donc, rien comme il bouge. Ouh, putain, vas-y, c'est le Mauricette, non? Comment c'est? Pas bien ouais tu vois ah, mais la secoue mais c'est peut-être derrière le tracteur qui la secoue on la voit pas bon Dieu c'est que ça doit basculer fort pour qu'il bouge le tracteur tu vois c'est fini merde pourquoi j'appuie sur ce tout je ne sais pas je ne peux pas je n'en sais rien ce que je vais faire par contre je vais le foutre en autocombinaille oh non tiens on va continuer à faire le tour on va déjà on va faire le tour pour voir un petit peu. Voilà. Je sais pas, il y a des moments, ça en laisse des épis. Pourtant, je suis bien, je sais pas. Oh, il y a un joli trou. Hein. Et ben celui-là, je me rappelle, je la sur la check map, celle de Koufi. Putain, enfin, il était plus grand encore le champ, je crois. Parce que Nono l'a rétréci un peu, je crois. Ouais, il l'a rétréci, il était un peu plus grand. Parce qu'il a pris.
Il a, comment dire, il a fait son état et tout, il me semble qu'il l'arrête ici un peu. Enfin bref, je l'ai planté en betterave celui-là, je sais pas ce que j'avais, genre là je dois être en forme. Je sais pas. Et on l'a ramassé en plus. On l'a ramassé, je me rappelle. On arrive dans le chemin speeder. Ouais, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça comme ça. C'est... Heureusement que ma barre de coupe elle va dans tous les sens. Parce que alors les bords des champs, mon gars. De Dieu. Non, c'est bah si, c'est le Spinter. Ah, c'est Fayon. Ouais, c'est pas ça, c'est Spinter, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Enfin, sacré. Tu t'imagines, tu l'as. Et j'avais fait plus fort que ça, moi. Je l'avais ensilé, ce champ. Et vous savez quoi, avec les modes réalistiques. Avec le mode réalistique. Je sais pas si vous en rappelez sur le 13, les modes mode réalistiques. Oh et j'ai... Putain, j'en ai chié. Oh, putain, je peux vous dire qu'ils ont chié les... Mais j'avais mis... En heure réelle. Allez, j'avais peut-être mis au moins 4 heures à l'ensiler. Avec mes... Puis j'avais pas pris des grosses... Bah, de toute façon, t'allais pas mettre des grosses bennes sur les... Sur les tracteurs moralistiques déjà, ou alors fallait. Putain, mais ils ont chié. Oh putain. Putain, une pantoufle qui s'est barré. Ça a repris de pantoufle. Non, dégueu. Non, dégueu. Et putain, j'avais halluciné. J'ai dit, mais je sais pas ce qu'il m'avait pris, ça là. Mais il me semble bien que j'avais fait une petite vidéo dessus. J'avais attaqué à l'ancien avec ça. Et je me rappelle, après, j'avais voulu déchaumer avec un jeune dire en moralistique. Je sais pas, ça devait être un 300 ou 400 chevaux, un chenillard qui t'avait fait, et ben incapable de monter avec un déchaumeur. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah, le machin, j'ai cru que je le foutais en l'air. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, dans la vie réelle, le machin le tire, faut pas déconner. Mais là, non, non, elle a pas voulu. Oh putain. Il a pas voulu, voulu, voulu. Ouais, maintenant, ce qui ressemble un peu au moral ici, c'est un petit peu le drive control. Marquez si vous avez le drive control avec la gearbox, là, le mode gearbox. C'est. C'est ce qui ressemble un petit peu au moralistique, quoi, maintenant. Non, pas le moralistique, c'est arrivé sur le 11, sur la fin du 11. J'avais testé, mais j'avais rien compris ce que c'était, ce machin. Où j'avais mis un tracteur avec un pôle machin, il se levait comme un con, mais qu'est-ce qui... Après j'avais mieux, après j'avais traduit le, donc ce machin, ce que c'était, ah, bah, j'ai dit, bah d'accord. Ah, bah bravo, j'ai dit. J'ai dit bravo. Bravo. Ah, c'est sur le 11 que ça avait attaqué ce moralistique. Et il y a quand même qui sont des mecs qui sont doués pour... faut quand même aller chercher... pour faire un script de tout ça et tout, tout calculer par les poids et tout, la consommation d'essence et tout. C'est ce qui manque un peu sur ce 15. C'est un peu la consommation d'essence, quoi, les poids. Enfin, putain. Quoi qu'ils améliorent un peu ça, de nous faire chier à inventer des nouvelles, des trucs sur le bois, machin. Qu'ils améliorent un peu au niveau des véhicules, les consommations et tout, enfin, vous voyez. Qui nous mettent par exemple des rapports que tu peux changer par exemple à la manette ou face 1, 2, 3 quand tu roules, quoi, ce serait pas mal. Ça serait bien qu'ils se penchent là-dessus pour le prochain, quoi, pour le 17, ça serait pas mal. Enfin, s'il y a un 17, hein, tout le monde dit ouais, il y aura un 17. Pour l'instant, vous aimez bien, ils ont signé soi-disant avec Lévi, soi-disant avec le Pago, mais bon, vous savez, c'est des romans. Bref, ouais, faut voir, mais j'espère qu'il se penche un peu plus sur l'agriculture. Je sais que j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais ça serait quand même un peu plus intéressant qu'il se penche. Parce que le domaine agricole, il y a quand même quoi faire, de quoi faire avant d'attaquer sur le domaine du bois, quoi.
je crois que là je vais arriver à faire un tour. Ça serait bien que j'arrive au bout parce que je dois avoir une benne gentille qui traîne. Ouais, bah elle est pas loin, ça serait pas mal. Comme ça, j'aurais plus qu'à vider dedans, ça serait nickel. Ah, mais j'ai une autre benne là. Ah, ouais, j'ai le corps 950, ouais, avec la benne, ouais, d'accord, avec la benne Kevogo. Donc voilà à peu près, ouais, donc je sais pas, on verra bien quand on l'aura dans les mains, c'est un autre truc. American truck. Comme il y en a qui disent AT. Ah, oh, putain, je suis pas arrivé au bout. C'est ATS. Non mais c'est bon. Comment je vais faire, Marcel? Tu vas te retrouver dans les arbres. Ouais, on verra. Ben. On va descendre et pas loin de tracteur, ça va twitcher dans tous les bazars. Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Hop. Allez, c'est parti. Oula, 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 oh putain, je me voyais. Ça doit pas être mal, je pense. Hein. Je pense que ça devrait être bon. Vas-y, Frankie, c'est bon. Vas-y, Frankie. Bon, c'est pas bon, apparemment. Dis-moi pas. Oh putain, dis-moi pas qu'elle prend pas les graines, celle-là. Non, mais là, je fais ça. Hein? Ah merde, j'ai détaché, bordel. Bon, j'ai rattaché. Ne me dites pas qu'elle prend pas les graines, parce que là, je vais péter. Oh putain, mais t'es sérieux là? Oh fuck, putain. C'est pas celle-là. C'est laquelle que j'ai, je sais même plus, c'est laquelle que j'ai, celle-là, non? Eh ben, mais elle prend pas la récolte, la bordel, mais qu'est-ce que ça me pète les couilles, là? C'est quoi la différence entre les deux, là? Ah ben, en plus, c'est marqué 3 essieux patates. Donc, c'est pas la 3 essieux patates que j'ai, c'est... C'est ben, en votre possession, c'est l'autre. J'essaie de remettre les autres idées. Bon, si ça vide pas, c'est bon, je peux y passer ma journée. Hein? Ah, est-ce que je suis trop loin? Donc, ça soit celle-là pour patate et qu'il soit trompé, non? Ah! Ça marche! Non mais. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que. Est-ce que j'étais trop loin? C'est possible. C'est possible que ça vienne de ça. Donc pour revenir à nos moutons, donc j'ai vu aussi qu'ils allaient faire Professional Farmer sur la PS4. Alors j'ai bien. Je crois que je vais peut-être vous faire une petite série dessus, je vais voir. Voir si je le fais ou pas. Je crois qu'il sort le 25 février. Excuse-moi. Alors je sais pas, je pense vous faire un petit truc dessus, ce serait pas mal. Allez, ce que je vais faire, je vais mettre le guignol à moissonner. Alors voyons, ça c'est bon, ça c'est bon. Vider, machin, de toute façon j'en mets qu'une. Moi je vais aller en chercher une autre de batteuse. Mettre deux batteuses dans le champ. Ah, attends, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il nous fait? À moins que j'en mette une autre de batteuse. C'est vrai qu'il est grand le champ, hein? Ouais, il est grand, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Pourquoi il en laisse devant un... Oh. On va le laisser faire parce que... Ouh là 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 là, ça va pas tarder m'agacer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prendrais une batteuse? Mais faudrait que j'achète une crosse, quoi. Parce que j'ai dit, je ferais que du cross. Vous allez me dire, du cross, c'est pas ce qui manque. J'ai du 670, du 780. Pourquoi j'ai deux fois 780? Je ne sais pas. Putain, j'ai du... Ah, mais ouais, ça c'est dû me dire. J'ai la deux. Où est-ce qu'on prendra une 670? Ouais. Qu'est-ce que vous en... Ah non, on va pas acheter. Ce qu'on va faire, on va peut-être attaquer à des chômés derrière. Qu'est-ce que j'ai comme des chômeurs? Je sais même plus. Oh là là, je fais tellement de cartes que je sais même plus ce que j'ai sur... Ah, mais j'ai le Burgo en ce mois. Qu'est-ce que... J'en ai même pas de chômeurs, si. Ah ouais, mais ça c'est celle que j'ai achetée pour faire une démonstration. Celle-là je vais la vendre. Seule au magasin, ça sert à rien. Ah bah non, j'ai pas de déchômeur. Est-ce que j'en ai un dans mes modes? Alors là, ah bah cultivateur. Oh bah si, mais j'en ai tout plein. Ah ouais, mais j'avais testé le... Oh... Putain, 3 mètres, ça fait pas beaucoup, hein. Putain, je vais être obligé de prendre un machin de John Deere. Non, non, c'est pas possible. Il fait 12 mètres. Attends, on va prendre celui d'origine. Il fait 12 mètres aussi, je crois, le Lincoln, non? Non, mais je vais pas mettre du John Deere, mais c'est fou, non? 12 mètres, et lui, il fait 10 mètres. Un petit... Plouf, plouf. Un épaule sur un mur qui... Non, mais... On va acheter le Lincoln, allez, hop. Bon, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme tracteur? Lui, il en est... Oh, pff, il est à 12%, c'est bon. Ah, et encore, il est en train d'encore la secouer. Hein. Putain, mais elle contient pas beaucoup, là. Les bennes. Ah, bah, putain, j'ai celle-là au champ. Oh, mais j'ai... Oh, putain, faut que je les fasse, les fruits, je ferai la prochaine vidéo. Ah, je suis dans lequel? Je suis dans le 830. Qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai du 850. Allez, on va prendre le 850, hein. Allez, c'est parti, mon Maurice. Mon Maurice, parti. On va chercher des chômeurs. Ouah, ouah, ouah. On va chercher des chômeurs. Attends, ouais, c'est bon, tout est baissé. C'est parti, on y va, on met la gyro, ouais, c'est parti. J'ai dit les gyros, pas le menu. Ah, c'est parti. Ouais, j'ai placé une palette plaçable, là, pour les semences. J'ai pas envie de me faire chier, parce que si tu fais du Seedmaster, c'est bien, mais faut que tes semoirs, hein, ils prennent, donc. Comme je le mien que celui que j'ai... Vous voyez, j'ai semé un champ d'herbe. Bah ouais, faut que je finisse de semer l'autre, là-haut, putain. Allez. Allez, chercher ce déchômeur, et attaquer un peu à déchômer, ce serait pas mal. L'autre, il est qu'à 45%, quoi qu'il est. Faut, je vous dis, une fois que ça va être parti pour les bennes, ça va y aller, hein. Est-ce qu'on va y stocker, moi? J'ai pas de forte demande, là. Attendez, on va aller voir si on a une forte demande. Putain, je le mettrais bien en tournesol après le champ, là. Putain, ça donne le coup. Apparemment, j'ai pas de forte demande. Apparemment, hein, je dis bien. Non, j'ai pas de forte demande, on dirait. Ouais. Aucune forte demande, donc on attendra qu'on ait des... Il me retient par quoi le panneau là? Je suis... Oh, ah, des cœurs! Ah, mais je l'avais pas vu celle-là, tiens! C'est quoi ce bug? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, vous voyez le panneau qui dépasse? Allez, ah, c'est ça qui m'a retenu, regardez! Vous voyez, est-ce que vous voyez le fil? Vous voyez le trait là? Ah ouais, regardez. Ah ouais. Ah, il y a le panneau, il est un peu sur la route. Vous voyez, on voit bien là, vous voyez. Là, on voit bien le trait juste au-dessus, je sais pas si vous voyez. Mettez en grand écran, vous zoomez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Prenez une loupe, vous regardez, vous verrez.
Faudrait que je le signale à Nono, tiens. S'il y pense, parce que moi, je dis ça, puis. Ah, c'est barrière la con. Je regardais le color. Franchement, il y a des jolies textures. Hein. Enfin, ils ont fait des jolies textures. Enfin, ils ont fait, je sais pas si c'est eux, je sais qui. Qu'ils ont fait, mais franchement, ils ont mis des jolies textures sur ce mat. Quoi. Ah, j'ai. Il y a une autre map où il y a des jolies textures là, que j'ai trouvé. Franchement, vraiment de belles textures. Hop, on va prendre le déchemin. Putain, on aurait pu prendre la transition si on peut. Oh putain, je me suis loupé. Recule. Non, mais t'es pas en face, de toute façon, tu risques pas d'y accrocher. Voilà. On verra s'il faut. Oh putain, l'hôtel est à 92%. Alors, est-ce que j'aurai le temps d'aller arriver au champ avec mon déchaumeur? Oh, je pense. Peut-être doit être vers l'autre là-haut. Allez, c'est parti. Mais je sais pas, mais il a arrêté, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, mais regarde où tu veux. Non, mais je regardais. Pourquoi il avance plus l'autre là? Pourquoi il est bloqué là? Oh, il y a une mouche qui est en travers du champ et ça l'a arrêté ou quoi là? Ah putain, c'est chiant ça. Je sais qu'elle est arrêtée cette connasse. Non, c'est toujours à 0 km/h. À mon avis, il est bloqué par quelque chose là. Putain, les pneus, ils sont toujours là. Armés les pneus là. Alors, attends, on va descendre, ça va aller plus vite. Oh putain, mais j'y crois. Putain. C'est pas possible ça. C'est incroyable. Incroyable. Bon, on va rester dedans de toute façon. Hein. Ah mais c'est incroyable, vous y croyez ça les amis? Et hop, excusez-moi, mais je me remonte là de mon siège. Ah mais c'est incroyable, mais c'est pas possible ça. Voilà, hop, bien fait de pas partir. Ouais, il y a du chemin. Mais alors, pourquoi il vide? Putain, là j'allais pousser une gueulante là. J'allais dire pourquoi qu'il vide pas cette tête de con là. Ouh, putain, tu vas avoir mal de mer mon gars dedans. Parce que. Allez, vas-y, vide tout. Mille, ça va faire 24 000 et elle fait combien celle-là en grand, je crois? 25 000, non, je sais plus. Ouais, il en restera encore pour mettre un peu. Putain, mais elle fait combien? Ah oui, 25 000. Non, en plus. Ouais, ça va être à 10%. Oh putain, faut pas que je la laisse là, parce que ça va encore l'arrêter tout à l'heure. On va le laisser là. Oh, là. C'est bon, mal. On va descendre. Allez. Poum, 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 poum. Allez, on déplie le bazar. On avance, on déplie, on avance. Ouais, non. Mais tu devrais passer la charrue, qu'est-ce que tu me dis, Maurice? Non, mais t'es taré, non? T'as vu le champ? Non, mais. Il est fou, lui. Passer la charrue, je vais te la mettre dans le cul, la charrue, tu vois. Elle va vite passer, hein. Allez, c'est parti, on va voir si ça déchaume. Voilà, hop là, allez, hop, pour déchaumons, 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 on n'a pas que ça à faire. N'a pas le temps, après faut qu'on sème du tournesol là. Ah, c'est moi du tournesol, non. Non, je sens, ça changera, ça fera un joli son de tournesol. En plus, il y a une jolie texture de tournesol.
Ça va être impeccable, les amis. Impeccable de flingue. La 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 putain, qu'est-ce que j'ai pu jouer sur cette carte, sérieux, en comptant celle de Koufi. Hein. Oh, maintenant je dois dépasser les 400 heures dessus, hein, sincèrement. Hein. En multi, mais on s'est tapé des délires sur cette carte, enfin sur celle de Koufi. Hein. Oh là. Franchement. Oh. Putain, mais il y a de l'herbe là. Ouais, vous voyez, ça a laissé. Pourtant, j'étais en plein dessus, mais... Allez, je passe là, ça ne veut pas me les enlever. Des résisteurs, on a affaire à des dresmaïs transgéniques, bon, lui, ils résistent. On va appeler José Beauvais. Là, oula, oula, là, oula, mais il y a un trou, là, ouh, il y a un trou, là, mais j'avais pas vu le trou. Il y a un trou, il y a un trou. Combien d'autres 44. Il doit arriver, ouais, il arrive en bas dans le coin. Voilà, nickel, allez, c'est parti. C'est vrai qu'on peut pas souvent faire ça. Non, mais je me demande si j'ai déjà fait du labour en vidéo, je crois pas. Non, mais je vais pas labourer un champ comme ça, mais tu deviens fou, sérieux. Là, tu prends 30 socles, donc j'en sais rien, t'en inventes une. Ah, oula, 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 t'es bourré, Maurice. Ah non, mais c'est pas Maurice, Maurice, il est dans sa batteuse. Voilà. Allez. Ah, je suis en train de penser, ouais, j'ai vu qu'il y avait un jeu de bois qui s'appelle Lumberjack Professionnel 2016. Je regarde ce qu'il vaut comme jeu, ça se trouve, ça en a un sens, ça t'évitera de faire du bois dans les fesses. Ça pourrait être intéressant. Faut boire, faut boire. Il faut boire, boire, pardon. Donc voilà, hein. Donc vous hop là. Ah, ça tourne, hein. Ouf, qu'est-ce qu'il y a eu là? Pourquoi ça a sauté là? Je sais pas. Bizarre ça qui a sauté là. Si je m'appuie y faire, hein. C'est bizarre que c'est sauté. Hop là, on va y aller. Doucement, attention au pneu, ouais. Bon, c'est pas que tu m'emmerdes avec ton tracteur, mais d'abord, là, Maurice. Allez. On va le foutre là, un endroit où tu me fais pas chier. Là, tu me feras pas chier. Voilà. Ah, ça y est, tu vas me faire chier. Attends, je vais te mettre plus en long. Voilà. Ça, tu me feras pas chier. Il a... Oh putain, l'autre il est plein. Il est ouf. Allez, à bord. Attends, je dois avoir une benne qui est pas loin. Ah oui, j'ai une noire avec la gentille. Voilà. Et là, ça vide. Ouais, mais je devais être trop loin, à mon avis. Et là, je vais arriver à combien de pourcents ça se trouve. Je vais la remplir, celle-là. Je sais même pas combien elle fait de merde, de pourcentage. Bah, c'est simple à voir. Hein. Garage. Entre 24 et 27. Donc, à mon avis, elle fait 27 000 en ensilage et 24 000 en grain. Enfin, non, on aurait dit des ridelles de betterave ou pommes de terre. Même ça va la remplir. Hein. Parce qu'il est à 30% maintenant. Ah, je sais même pas si ça va tout y aller, mais bon. Ah non, ça va pas tout y aller, hein, il reste 12%.
Bon bah allez, on va vider ça. Je crois qu'il y a un chemin par là-bas, je sais pas où là. Non? Ouais, mais il n'y a pas d'entrée. Ouais, mais j'en fabrique une. Moi. Allez, voilà. Comment on fabrique une entrée? Pas une sortie plutôt. Donc il y a un pont là. Oh putain, pouce au cul là, nom de Dieu. Ouh, Maurice là, ça pousse. Hein. T'as pas gelé là, cet acteur. Je sais pas, moi je passe dans le lavage automatique, ça marche pas. Je vais me casser les couilles. Je vais mettre un Kärcher. Pas qu'il y a un Kärcher, il me semble qu'il m'a dit, je chante 13 ou 11. Je sais plus. Mais avant, on tombe sur un Kärcher. Tu as l'autre, il va être arrêté par un Kärcher. C'est pas grave, on va le revendre. Ah bah voilà le chemin de Pinter. Allez hop, on va mettre les gyros quand même. Mais je les avais déjà, non? Oh, je sais même plus. Allez, c'est parti. De toute façon, on va faire encore un petit 10 minutes de gameplay. Oh, que j'ai bien parlé, gameplay. Allez, c'est parti, là, attention, là, on va se marrer, là, allez, mais, du pied, oh, il y a du pot au cul, là, mon gars. Putain. Franchement, cette partie, je l'aime bien, moi. Ça fait joli et tout, avec l'eau du lac, là, la fin de l'étang. Putain, il y a une sacrée grimpette, là. Mais il monte, hein. T'as Dieu, pour s'amuser. Allez, c'est parti. Ah putain, ouais, mais j'ai l'autre bateau qui attend pour le colza. Je voulais attaquer la moisson de colza, mais on y fera plus tard. Ou j'y ferai peut-être en vidéo, je vois. Oh, doucement, Marius. Doucement, Marius. Vas-y, Marius. Voilà, c'est bon. Je vais finir le tour avec mon déchaumeur, puis j'arrêterai la vidéo. Je pense qu'on aura fait un bon petit gameplay, une moisson de maïs, un petit déchaumage, et un petit transport de maïs dans un chemin relativement calme. On va dire ça. Donc, on met à fond de batteuse, allez hop, oh, attention on tourne. Hop, on contrebac, on y va les Maurice. Je me fais chier à faire le tour alors qu'il y a tout simplement un chemin ici. Non mais je sais pas pourquoi. T'arrives ici, tu vis, terminé, paf. Hop, voilà. C'est pas cool ça, hein. Du temps que ça vide. On va continuer à déchaumer. J'arrive à trouver mon tracteur. Bien sûr, ça va être le tout dernier. Hein? Oui, bah ça pour faire chier le monde. Et c'est parti. On va finir de déchaumer le tour. Putain, mais il a glissé ce connard là. Mais il me cherche là, le connard. Oh putain, quand ça les coups. Je le fous dans le chemin d'ailleurs. Il reste un morceau, c'est pas grave. Faut être de partout. Je vais te le foutre dans le chemin là. Ça me fera pas chier. Voilà. Là. Mais. Oh mais. Pénible celui-là, là. Qu'est-ce qu'il a là? Ah. Il glisse, non? C'est moi. Ah, non? Ah, il glisse, regarde. Ouais, bah, il calera bien contre quelque chose. Il arrêtera bien de glisser, non? Tu veux. Allez, c'est parti. Oh, putain, et l'autre qui est pleine, déjà. Bah, putain, mais... Elle est où, cette pute, là? Elle est là-haut. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais elle doit être en bas là-bas, elle doit pas être bien loin derrière moi, le déchaumeur. Hein. Ah, bah non, bah, c'est bon. Elle est quand même assez loin. Hein. Allez, on y va là, Maurice. Hop.
Mettre là. Mon déchaumeur, il est où? Hop, hop, hop. Oula, ça va trop vite, ça va vous faire gerber. Allez, c'est parti. On va y arriver ou pas? Heureusement que j'ai pas mis une deuxième moissonneuse. Voilà, c'est bon. Peut-être reculer un peu là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu aller là-bas. On va redresser tout de suite. Là, ouais, nickel, impeccable. T'as dit, moi pas que je vais prendre la remorque. Bah si, je l'ai touché. Bah j'ai touché le tracteur, la remorque, enfin, tout est foutu, gros. Tout est rayé. C'est pas grave. Allez. Oh putain! Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai vu. Il y a un trou dans le champ. Mauvaise herbe, tout ça. Allez, on y ramasse tout. Impeccable. Allez, on arrive bientôt. On est pas mal là. Ouais, on arrive bientôt normalement, non? Hein, je me rappelle de cette montée là. Normalement, t'avais l'entrée qui était juste derrière. Putain. Elle est raide la montée là. Il y a eu l'an Chine 850. Hein. Il y emmène, tranquille. Tant qu'il est mine, il y emmène. Hein. Allez, hop, on va aller finir jusqu'au bout et après j'arrêterai. Bon, allez, on y va. Hop. Faudrait que ça pleut, comme ça lavera tous mes véhicules. Oh. Je sais même pas s'ils annoncent la pluie, tiens. Pas joyeux. Voilà, ça va se mettre là. Ça ne gênera pas, normalement, hein, parce qu'il était mon couillon. C'est ça que je voulais voir, c'est ça. Et où la météo? Le lundi il pleuvra. Hein. Ouais. Bon, bah sur ce, mes amis, je vous dis bah aimez, partagez et abonnez-vous. Salut les Maurice, portez-vous bien.